unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis au sang, ces hommes noirs, la libération chez notre ennemi. Bienvenue sur Datacall et félicitations. Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Je voudrais avec vous réfléchir encore une fois. Bon, c'est vrai qu'on ne parle pas de forum katangé, on a longtemps parlé de ça. Et les gens ont compris que c'est une farce, les gens ont compris que c'est une vraie aventure, et les gens ont compris que quand on n'a vraiment plus de choses à dire, des choses à faire, quand on se rend compte qu'on ne peut plus aller nulle part, ben on revient sur les vieilles habitudes, mais malheureusement, c'est des chansons qui ne peuvent plus être chantées. Mais par contre, j'ai une question. Êtes-vous sûr que les choses vont bien? Si oui, pourquoi? Et où est-ce que ça va bien? Sinon, pourquoi, selon vous, ça ne va pas bien? Parce que, regardez, il ne faudrait pas que, quand on fait des analyses ou quand on essaie de réfléchir, que l'on soit tout de suite à côté, je veux dire, à côté, ou que l'on s'attache à un bord politique. Ça va faire, on va tout simplement aller dans la mauvaise direction. Ceux qui pensent que le Congo va bien maintenant, ils les pensent en fonction de quoi? C'est quoi leur référentiel? Puisque si vous pensez que le Congo va bien par rapport à la gestion passée, vous avez totalement raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses vont mieux par rapport à avant, puisque avant il n'y avait pas de référence. Tous on est d'accord. Mais le problème, c'est que si vous allez dans cette direction-là, vous n'allez pas faire grand-chose puisque vous allez vous comparer aux faibles. Dans la vie, on ne se compare pas à ceux qui ont échoué, on se compare à ceux qui réussissent. Donc la vision de ce qui devrait, je veux dire, la vision qui doit caractériser ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ce n'est pas de dire on fait mieux que Kabila. Puisque à l'époque de Kabila, encore une fois, je dis Kabila c'est le système, ce n'est pas l'homme. Puisqu'on dit on fait mieux que la Kabylie n'a pas fait des choses pour lesquelles on doit être fier, non. Donc tous les secteurs presque, la Kabylie avait échoué, dans tous les secteurs. Il n'y a aucun secteur où la Kabylie a réussi. Aucun secteur. Il y avait des secteurs où on voyait des efforts, des balbutiements, oui, mais il n'y avait pas de secteurs qui réussissaient. Non, il n'y en avait pas. Pas du tout. Ni en termes de budget, ni en termes de chiffres, il n'y avait rien. Pas grand-chose.
Mais maintenant, aujourd'hui, on a quand même des secteurs où l'on peut dire, on peut battre, on peut bomber les torses. Si aujourd'hui on parle des finances, tout le monde est d'accord avec nous que le pays ne s'est jamais mieux porté comme maintenant. On a la présence de l'IGF, ainsi de suite. Et là encore, il faut rappeler aux Congolais que quand on parle de l'IGF, on ne parle pas d'une prison, on ne parle pas d'un endroit où l'on arrête les gens. L'IGF n'arrête pas les gens. Cette histoire que vous avez entendue, il y a quand Luka pour l'électricité, messieurs et dames, entre nous soit dit, nous avons une très mauvaise culture dans ce pays. La culture, c'est celle c'est laquelle Christian Boussembe est nommé ministre, c'est ma femme qui est finalement, c'est elle, hein, c'est ma femme qui devient la fournisseur ou la fournisseuse de biens, de services, ainsi de suite, dans mon ministère à moi. Et ça ne gêne personne, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de conflit d'intérêt, il n'y a pas de lien d'intérêt, mais on ne se gêne pas. Est-ce que vous imaginez, on ne se gêne pas. Comment voulez-vous que je devienne ministre et que celui qui doit fournir les biens, fournir les services dans mon ministère doit impérativement être ma sœur ou ma femme. Les gens vont dire, mais il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème que lorsque elle compétit comme tout le monde. Ça veut dire, ma femme a une entreprise, ma sœur a une entreprise, quelqu'un d'autre a une entreprise, et ils compétissent ensemble. Lorsqu'ils compétissent ensemble et que ma femme sort gagnante, oui. On peut comprendre. On peut dire, ok, sa femme a fait comme tout le monde, elle a gagné le marché. Oui, mais je ne peux pas octroyer ma femme un marché parce que je suis ministre. À un moment donné, ça doit gêner les gens. Je ne peux pas le faire parce que je suis DG. Ça doit gêner les gens. Vous savez, messieurs et dames, il y a de ces choses qui devraient, en principe, gêner les gens. Mais comme on n'a pas de gêne, on vit dans un monde où il n'y a pas de gêne, sonisate, patoise ou kata sonite, comment pouvez-vous imaginer que vous avez pour électrifier quoi un quelconque, la question des câbles commence par là. Puisque vous avez besoin de la vérité, la question des câbles est bandiwana. La SNEL a besoin de fournir courant, na Kanluka, na place Ebélé, il faut passer au courant. Mais pour passer au courant, il faut un câble. La SNEL ne produit pas des câbles, n'est-ce pas? La SNEL achète des câbles. Mais malheureusement, la SNEL va acheter des câbles auprès d'une dame déjà problématique. Problématique en termes, parce qu'elle est liée, soit n'a pas intérêt, n'a lien d'intérêt, soit n'a pas relation, ou comprendre entre biais, n'a certains décideurs, Yasnel. C'est ça la vérité. Mais mes frères, c'est ça la vérité, qu'on ne vous trompe pas. On veut vous occulter la vérité, mais c'est celle-là la vérité. Alors lorsqu'on veut maintenant payer, on donne l'argent, bah, agent, il y a il y a IGF, il y a 5 Nasnel, 5 agents, 5 inspecteurs, Corias qui sont à Nasnel. Quand on sort le montant, un montant assez faramineux, pourquoi Mbongwenge Bima pour non, c'est pour acheter des câbles, urgence, tout ça. Non, il n'y a pas de problème. Mais avant tout, dès que tu fais cet accord, il y a Mbongwenge Bima, tu fais cette mission totale, ceux qui réellement, qui appellent d'offres, ça les maquille, ceux qui marchaient publics, ils respectaient. Oh, tout le problème est là. Comme il n'y a pas eu la procédure normale, on n'en parle pas. On informe à ces gens, aux fournisseurs, attendez 5 mois, comme ils vont partir. Hein, parce que au départ, IGF, qui n'a pas d'entreprise publique, qui peut encore mélater. Ils étaient là pour faire 2 mois, je pense, 1 ou 2 mois, ou un temps limité entre pour Mbakende. Mais c'est vu le problème, c'est vu la dangerosité, c'est vu le niveau de la prédation. Excusez-moi de le dire, c'est à cause de la témérité, la cupidité, la méchanceté et à un moment donné, on peut même croire la sorcellerie de ceux qui nous gouvernent, que l'IGF a été demandé avancer la procédure Nabango, rallonger ces jours Nabango. Comme ces gens-là pensaient que l'IGF allait partir des entreprises publiques pour qu'il continue à perpétrer l'acte Nabango et Mabé, l'IGF est resté. Donc, comme l'IGF est resté et que vous ne pouvez pas prouver que fournisseur, gagnant qui marchait convenablement, vous ne pouvez pas non plus faire passer le marché. Qu'est-ce qui va se passer? Les câbles restent là où ils étaient. Les câbles restent là où ils étaient, donc dans la parcelle de la propriétaire ou du propriétaire, et d'Ikaliwana. En entendant, la situation est en train de pourrir. Et comme les gens sont très malins, vous savez, au Congo, les gens peuvent provoquer une grève tout simplement pour noyer une enquête. Et ça, au Congo, on a vu ça. Hein? On a vu ça. Des dirigeants qui
essaie un peu de toucher pour la première fois les membres du syndicat. Simbi Bango, Bobo Ninganamo, Mukebolo, que Bolingi Jeff n'a place au thé. Et donc, du coup, vous allez voir quoi? Les syndicalistes sortent pour dire non, si nous ne sommes pas payés, c'est parce que l'IGF bloque. Mais comment l'IGF peut bloquer les paiements des agents? Est-ce que vous imaginez ça une seconde? Comment un agent, comment un service de contrôle des finances peut-il interdire le paiement des agents? Lorsque l'IGF interdit les paiements des agents, c'est peut-être pour deux ou trois raisons. La première raison, c'est parce que la liste n'est pas vraie. Il y a un gonflement et que l'IGF ne comprend pas. Mais pourquoi il y a 15 000 personnes au lieu de 150 seulement? Pourquoi il y a par exemple 2 000 personnes au lieu de 200 ou 300 personnes seulement? Pourquoi tel nom est repris plusieurs fois? Ça, c'est le travail de l'IGF. Ils peuvent poser la question. Comment ici il y a Bossembe Christian, mais là où l'autre côté il y a Christian Bossembe? Mais quand on regarde un peu plus loin, on voit Lokando Bossembe Christian. Mais quand on regarde encore à la 10e place, on trouve Lokando Bossembe Christian. Et puis Lokando Christian Bossembe. Est-ce que ce n'est pas la même personne? C'est des questions qu'on pose maintenant. Alors quand on va énumérer des choses comme ça, on montre aux décideurs. On dit, mais chers décideurs, vous avez parlé de 150 personnes. Mais ici, nous ne voyons que 47 personnes. Pourquoi on a vu 30 doublons, 40 noms qui ne sont pas les mêmes et tout? Qui sont les mêmes, mais un peu échangés et tout. Alors, les décideurs crient, il appelle les gens, il appelle les syndicalistes. Mais comment on va libérer l'argent pour payer des gens qui n'existent pas? Voyez-vous le problème? C'est là le problème. Mes frères, personne ne va vous expliquer comme ça, puisqu'il y a des gens qui bouffent l'argent de ces décideurs-là. Moi, je ne peux, ça ne peut pas passer. Messieurs et dames, il y a des choses qui, pour moi, est le karanangote, quelle que soit la qualité de nos relations, il y a des causes pour lesquelles nako takate. Parce que na yebi que mbongo zana souka nango. Tu peux me donner l'argent aujourd'hui, oui, je viens, je fais les fanfarons, na gagne na kei. Mais après, ma conscience maintenant, je sais que c'est une cause qui n'est pas noble. Pourquoi je mettrais ma voix dans une cause qui n'est pas noble? Donc voilà un peu comment ça se passait pour la mambo snel. Et maintenant que moi Mbappé ça va câble on a exaté plus que ma câble Mbappé ça va na bongo son bisa snel câble mon qu'on a 10 fois le prix normal. Et l'IGF dit maintenant d'abord non seulement que marché public il a violé passation nango il a violé non seulement que ma câble place origine nango toujours ébatté mais pire encore le prix au boutier est exorbitant. Ça veut dire un câble qui peut coûter 100 $, ce câble coûte là-bas 1000 $. Ça veut dire si un rouleau coûte 1000 $, mais on fait acheter ça à la SNEL à 10 000 balles. La question qu'on se pose, pourquoi? Pourquoi? Why? Pour la nini prix à modèle, c'est tous mes problèmes. Il ne fallait pas dire ça et on va chercher des députés. Des députés qui, au lieu de réfléchir convenablement, au lieu de regarder la bonne direction, non. Ces députés-là prennent le temps d'aller à la télévision comme ils veulent toujours. Ils sèchent l'hémicycle, c'est à la télé qu'ils veulent. Dans les réseaux sociaux, IGF, Aboi, Batouba, Zouakourana, Nanini, comment on appelle ça? Na Kouemoura pays, na Kanluka. Maintenant, quand les habitants de Kanluka apprennent que non, l'IGF a beau été, l'IGF a beau indé que Babi Misambongo est belé à l'État pour ne pas camber que ça la moussalate. Parce que Nambongo, il y a un câble pour le câble. Et quand il y a un câble, il y a un Kanluka. Et quand il y a un câble, il y a un Barumbu. Et quand il y a un câble, il y a Kisensu. Et quand il y a un câble, il y a un Matete. Et quand il y a un câble, il y a un belé. Ce qui câble, il y a un insulté qu'il a un 10 fois. On a pris 10 fois le prix. Donc, tous les camps. Quand Luano, quand est belé et coquille qu'on s'en sortir, Nambongo va l'imbé, mais ça pour Nakalou Kakak. Donc, mais comme les malhonnêtes et les malfaiteurs, Watamo est belé, les maraudeurs et les roublards, ils sont assez nombreux, ils se cachent derrière ce truc pour dire non, IGF a bloqué, IGF a bloqué, IGF a zotal, Ande Kabibara, au place d'une Bokende, et Zamabe. Et puis, de toutes les façons, messieurs et dames, dans un pays sérieux, on ne peut pas aimer l'IGF. Dans un pays sérieux. On ne peut pas apprécier un contrôleur des finances. Le contrôleur des finances, Bako Lingeta, dans une situation où les gens ont vécu et continuent à vivre dans le vol, où quand on est nommé dans l'administration publique, on fait une fête, on célèbre une fête puisqu'on sait que c'est notre tour maintenant de manger, c'est notre tour de bouffer. Allez voir, allez pester. Combien d'Équatoriens sont remplis d'un EPST, puisqu'il y a quelqu'un de l'Équateur qui est là-bas, qui remplit tout le monde de l'Équateur. Mais allez-y voir dans la fonction publique. Comment les gens et de l'Équateur, et du Bandundu et de tout ça, comment ils sont pleins là-bas? En fait, le problème de ce pays, une fois que vous êtes nommé, ceux qui sont à Bandundu, sont à côté de l'administration publique, ils sont comme Bandundu, 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 Bandundu. Ceux qui sont à Mukongo, et comme Mukongo, 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 Mukongo. Ceux qui sont secrétaire général ou un décideur
Azana école mo ba soili, ba ngo tout ba ko ba soili. Mais vous vous attendez quoi? Puisque vous êtes dans une situation, il y a le mal rotatif. Nous commettons le mal en fonction de notre rotation. Quand ça devient notre tour, on fait la même chose. Quand ça devient le tour des autres, on fait la même chose. Et quand on n'est plus quand on n'est plus en service, on critique le système. Le système n'est pas bon, il est tribal, et ainsi de suite. Quand nous, on entre dans le système, on reproduit la même bêtise. Alors, dites-moi, comment vous allez changer votre pays dans ces conditions-là? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Alors, comment voulez-vous qu'on se développe dans le conditions modèles? Il y a un autre point, Bomunaki Awa, l'IGF avec les intersyndicales, les syndicalistes, pardon. Vous avez vu la panique qu'il y a eu dans certains ministères. Mais pourquoi vous paniquez? Puisqu'il s'agit de la réunion de tous les syndicalistes du Congo. Depuis un certain temps, l'IGF organise des journées citoyennes où elle appelle toutes les couches de société. Nous, journalistes, on avait été appelés. Journalistes de tous bords, on avait été appelés. Il y a eu des musiciens. Il y a même un artiste musicien, Kofi, qui a chanté pour l'IGF. Il y a même M. Félix Oisekwa qui a chanté pour l'IGF. Il y en a d'autres qui l'ont fait la même chose. Des comédiens qui ont fait des sketchs, qui ont fait des pubs pour l'IGF. Alors la question qu'on doit se poser là-bas, c'est que pourquoi ça gêne quand on invite les syndicalistes? Peut-être que vous n'avez pas l'idée des rôles des syndicalistes. Les syndicalistes, ça bouge un État. Les syndicalistes, ça bouge un État, ça bouge une société, ça bouge un pays. Mais nos syndicalistes ne peuvent pas bouger les pays puisque les syndicalistes congolais sont à l'image des députés congolais. C'est des vendeurs d'illusions, c'est la plupart des cas des farceurs. Ils viennent, ils disent aux citoyens, au peuple, entre guillemets, ça veut dire les agents, ils disent « nous allons porter votre voix ». Mais en réalité, ce n'est pas la voix des agents qu'ils portent, c'est la faim, c'est la pauvreté qu'ils portent. Et quand ils arrivent au sommet de ces syndicats-là, ils deviennent eux aussi des petits richards. Ils commencent même, ils vont même plus loin pour demander la rente. Il y en a qui demandent des véhicules. Il y en a qui demandent des véhicules, il y en a qui demandent des soins médicaux, il y en a qui demandent pratiquement tout. Alors on se pose la question, vous êtes syndicaliste ou vous êtes tout simplement des décideurs comme les autres? C'est ainsi que vous allez remarquer que lorsqu'on est agent et qu'on n'est pas encore syndicaliste, on n'est pas encore chef de syndicaliste, on n'a pas de moyens. Mais une fois qu'on est chef syndicaliste, c'est fini, on a tous les moyens possibles. On a le moyen, on a les jetons, on a tout. Et donc, au lieu d'être le porte-parole des agents, on n'est plus le porte-parole des agents, on est maintenant un extincteur. Lorsque le feu s'allume, on vient calmer les agents. Au lieu de porter la parole des agents, Lula était un syndicaliste. C'est à cause de ses prouesses dans ce travail des syndicalistes qu'il est devenu président. Et plusieurs personnes l'ont été dans le passé. Des vrais. Bon, au Congo, il y a aussi des vrais syndicalistes, ne vous en faites pas. Et donc, c'est dans ce sens-là que les syndicalistes ont été invités à l'IGF. Et ils sont allés là-bas. C'était toute l'administration publique. Quand je dis toute l'administration, effectivement, c'est toute l'administration. Mais pourquoi il y a la panique dans un seul ministère? Pourquoi panique-t-on à ce point? Pourquoi on panique? On est à gauche, on est à droite. Les syndicalistes ne sont pas les ennemis des décideurs. Les syndicalistes sont le thermomètre de la bonne gouvernance. Il n'y a que l'exemplarité, la bonne gouvernance, le travail, le sérieux, la transparence. Ce sont les éléments qui taisent la grogne. Si vous gérez bien votre structure, il n'y aura pas de mouvement de grève. Il n'y aura pas de mouvement de grève puisque vous gérez bien. Mais comme les gens veulent expliquer leur échec dans leur secteur, ils veulent expliquer ça par la position de l'IGF ou le contexte ou je ne sais moins quoi, alors on cherche tout le monde de la petite bête. Bon, alors dites-moi un peu, Mabé est à un niveau ni place ou là. C'est ainsi que moi j'aurais bien voulu dire aux gens, c'est à nous de décider ce que nous voulons faire. Donc c'était juste une petite parenthèse pour vous parler un peu de comment nous voulons, comment nous devons aller. Au place ni direction ni biso photo zoa, ce qui te nimbo kanabiso et qui ne liboso. Il y a un autre élément que je voulais parler, je voulais bien réfléchir avec tout le monde, c'est notre façon de voir le mal dans ce pays. Et ça va me... Ils ont un canal où on a le basico. Donc, les Congolais, tout ça, vraiment la conscience. Nous n'avons pas la conscience de l'État. Nous n'avons pas la conscience de la res publica, la conscience de la chose publique. On n'en a pas, malheureusement. En fait, ouais, aujourd'hui, nous parlons de Balabala, n'est-ce pas? Côte de la route, tout ça. J'ai suivi une vidéo où un policier en train de dire non. Ce pays, on n'est pas très sérieux. Je vais vous lire un verset biblique. Je crois qu'il est important. Vous allez m'excuser de vous le lire, mais vous allez vraiment aimer, quoi. Peut-être que Bélé va t'en monter, mais
Ce que dit la Bible. Que dit la Bible? Parce que quand on va dire des choses au bâté que tout le bien on a n'a qu'à dater, autant la Bible pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Voici ce que la Bible dit dans Ecclésiaste. C'est Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10, verset, chapitre 10, verset 6. Je vais vous lire deux versions. La première version, c'est la version Lucegon. La deuxième version, français courant. Prenez la première version. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. La version français facile, un imbécile reçoit parfois des hautes fonctions, alors que des gens de valeur sont maintenus à des postes inférieurs. En fait, en réalité, Socrate l'a dit aussi, que la société se meurt puisque les philosophes n'ont pas la gestion de la cité. Je vous ai toujours dit que quand Socrate parle de ça, il ne dit pas que les philosophes, c'est ceux qui ont appris la philosophie. Il dit que les philosophes, c'est ceux qui s'exercent dans l'art de la pensée, dans l'art du bien, dans l'art du beau et dans l'art du vrai. Un citoyen devient un citoyen extraordinaire lorsqu'il s'exerce dans l'art du bien, l'art du beau et l'art du vrai. Lorsque vous vous compromettez dans la bêtise, dans la facilité, dans les insultes, dans les injures, dans les critiques inutiles, stériles et faciles, vous n'êtes plus des citoyens, comme Confucius le dit, des hommes d'en haut, vous devenez des hommes d'en bas. Les hommes d'en bas sont ceux qui sont préoccupés par le matériel, sont ceux qui sont préoccupés par le périssable, ceux qui sont préoccupés par le désir de la chair, on va dire des esclaves de la chair, des esclaves de l'argent, des esclaves du matériel, c'est des hommes qui n'ont pas de conscience. Nietzsche les appelle des hommes animaux, ils appellent encore des singes grimpeurs. Vous arrêtez d'être un homme lorsque votre vie n'est plus liée à l'essentiel. Lorsque votre vie n'est pas, on va dire, n'est pas motivée par l'essentiel. L'essentiel ici, ce sont les choses d'en haut, ce sont les choses supérieures, ce sont les choses abstraites, mais c'est des valeurs, c'est des vertus. Quand vous n'en avez plus, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, parlons de la police congolaise. J'ai entendu un monsieur dire, je ne connais pas qui il est, ni son grade. Il dit par exemple, à partir il y a 16 heures, Bokangarasu batouté, Atamutasali, Atamutasana papiété, Boutikayazou Mandaku. Mais on est où, mes frères? Mais attendez, on est où? Où sommes-nous? Sommes-nous dans une jungle ou sommes-nous dans un État? C'est quel État qui réfléchit quand on doit arrêter les gens, quand on ne doit pas les arrêter? Mais ce sont des choses qui ne devraient pas être dites en public. Même lorsqu'on est dans une parade, c'est déjà une place publique. On ne le dit pas. C'est des consignes qu'on donne aux policiers en n'allant pas dans une parade. Attendez, moi je me perds parfois. Je me dis, mais avons-nous encore des autorités dans ce pays? Avons-nous encore des gens qui peuvent s'indigner? Comme Stéphane Hessel le dit dans son livre, indignez-vous. Est-ce que nous avons encore des hommes et des femmes qui peuvent s'indigner? Pouvons-nous aujourd'hui dire, vous savez, il y a des décisions que l'on prend dans le silence sans que les gens ne le sachent, et puis il y a des décisions que l'on prend en public. Lorsque vous aimez une autorité de police, dit ça, parce que vous ne savez pas, vous avez jingularisé l'État. Ça veut dire, tous ceux qui n'ont pas de vignettes, ça veut dire, tous ceux qui n'ont pas de contrôle technique, ça veut dire, tous ceux qui ont des problèmes de panne, tous ceux qui ont des difficultés, des papiers, et ainsi de suite, ne pourront plus être arrêtés. Donc tous ceux qui vont violer le code de la route, ils ne pourront plus être arrêtés après 16 heures. Ça veut dire après 16 heures, c'est l'anarchie maintenant. Donc on va réguler la circulation, mais à partir des 16 heures, c'est de l'anarchie. Viole le code de la route, on ne t'arrêtera pas. On te dira tout simplement, non monsieur, passe de l'autre côté, il faut partir. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. On vit dans quel pays? Ce monsieur qui a dit des propos pareils, mais excusez-moi, il doit être interpellé. Il doit être interpellé. On n'est pas dans une anarchie. J'ai entendu un général dire, ah mais c'est pas vrai. J'ai entendu un général dire à la télévision que pour arrêter la corruption et l'extorsion, parce que ce que les policiers font en route, c'est vraiment ça, et tout ça, et on va coudre des tenues, il n'y aura pas de poche. L'Oyaka. Mais attendez deux secondes, mais on marche par la tête ou quoi dans ce pays? Messieurs et dames,
La tenue militaire, la tenue de policier est réglementaire. Ce n'est pas un général qui les sort, non. La tenue des policiers est réglementaire. C'est réglementé, c'est écrit par la loi. C'est la loi qui le dit, que la tenue a deux boutons, deux poches. C'est comme ça, c'est la loi qui le dit. Vous n'allez pas suspendre ça parce que vous le voulez. Vous vous réveillez un matin, vous dites, bon, non, non, d'accord, parce que tu as la place à Mortia Bambongo Nabango. Mais attendez, on est où? On est où? C'est réglementaire, c'est écrit par la loi, vous n'allez pas changer ça. Mais quand on essaie d'expliquer aux gens, ils pensent qu'on est méchant. On n'est pas méchant, c'est simplement aberrant. Non, excusez-nous de dire, on ne conduit pas un État par les émotions ou par les humeurs, non. Et c'est quel État qui négocie son ordre? L'État ne négocie pas l'ordre. L'État ne négocie pas l'ordre, s'il vous plaît. L'État ne négocie pas. On va dire non, mais c'est parce qu'on ne veut pas arrêter. Non, non. Quand quelqu'un viole le code de la route, que ce soit à minuit, que ce soit à 1h, que ce soit à 20h, que ce soit à n'importe quelle heure, il doit être arrêté. Mais c'est comme ça la loi. Il doit être interpellé. Vous n'allez pas dire non, parce que si on l'arrête, il y aura ceci. Il y aura... Vous êtes l'État, c'est vous la force. C'est à vous d'imaginer comment vous allez faire les choses. Et même alors, les policiers sont là pour apprécier les cas. Parce que moi j'ai ça dans mon téléphone. Si un policier m'arrête à 16h parce que j'ai violé le code de la route, il m'amènera nulle part. Mais il m'amènera nulle part. Je lui sortirai la vidéo et il ne pourra plus rien me dire. Or, si vous aviez donné ça à un conseiller, vous avez dit ça aux gens avant qu'ils ne partent. Si vous l'aviez dit, vous avez appelé les gens, les policiers, entre eux. C'est-à-dire, pas dans une parade où c'est susceptible d'être filmé. Puisque le problème, il va dire, non, je m'adressais aux policiers, mais je ne savais pas qu'on allait filmer. Mais oui, il faut le savoir, on est dans un monde numérique aujourd'hui. On est dans un monde numérique, et contrôlez ce que vous dites. C'est des choses, des briefings que l'on donne aux policiers quand ils partent dans la rue. Le peuple ne doit pas entendre ça. Vous pensez qu'aux États-Unis, en France, on ne donne pas des ordres comme ça? Mais en France, il y en a aussi, aux États-Unis, il y en a aussi des consignes qu'on donne aux policiers. Mais c'est le chef de secteur qui donne à ces policiers, qui descend dans le secteur. Il dit, binoua 4, ok, le loi partira à 16h, bokang mututé. Et ça, c'est des consignes, le peuple n'est pas au courant. Le peuple respecte lui, il respecte sa loi, il respecte la loi. Et quand il arrive sur terrain, il constate qu'au lieu d'être verbalisé, il ne l'est pas. Et c'est lui qui constate, mais on ne lui a pas dit. Mais ici, on va le dire comme ça aux gens. Prime à la délinquance maintenant, à la délinquance routière. Circulez comme vous voulez, vous n'avez pas de papier, circulez. Vous violez le code de la route, circulez. On va vous arrêter seulement si vous faites un accident. Mais tant que ce n'est pas un accident, ben allez-y, faites comme vous voulez. Roulez comme vous voulez, de toutes les façons, les roulages sont là, ils ne vont rien vous faire. Waouh. Quand on veut gérer un État, il faut vraiment savoir ce que l'on veut faire. C'est très important sur la question de route. Moi, je me pose toujours la question, comment cette administration n'est pas en mesure d'endiguer le problème de circulation? Je ne comprends pas, ça ne s'explique pas. On va dire non, Christian, c'est la même chose en France aussi. À Paris, il y a des embouteillages, mais en France, il y a des embouteillages. Ici, il n'y a pas de l'embouteillage, c'est de la délinquance ici. Ici, ce n'est pas de l'embouteillage, ce n'est pas des embouteillages, c'est de la délinquance. Et d'ailleurs, excusez-moi de vous le dire. Est-ce que vous savez que nos problèmes sont aussi... D'abord, la route elle-même au Congo a un problème. Où avez-vous vu déjà un arrêt à la sortie d'une avenue? Vous avez déjà vu ça? Où est-ce que nous avons placé les arrêts de bus chez nous? Mais nous plaçons les arrêts de bus à la sortie des avenues. Parce que vous trouvez ça normal? Un arrêt dans un croisement. L'arrêt dans un croisement. Il y a un croisement et puis il y a un arrêt. Et vous ne pouvez pas imaginer, ne serait-ce qu'un peu, qu'il y aura un embouteillage. Où est-ce que vous placez vos stations, vos stations d'essence? Vous le mettez où? C'est pourquoi j'ai dit aux Congolais, les jours où les Congolais vont quitter un peu ce pays, ils vont sortir un peu, ils vont voyager un peu, la plupart bien sûr, quand ils vont sortir et qu'ils vont voir comment ça s'organise ailleurs, ils comprendront que, ah, ici on blague, station, il n'y a qu'à essence, bacha kayango, partout est. Station à essence,
Et ça n'a pas critère d'ango pour que bandi ma question bato ngwana. Ça c'est des 1 de 2. Arrêt et abus bachaka yango na lib na sortie à avenue T. Ton a sortie à croisement arrêt dans la sortie à croisement T. Mais bit plutôt dans boulevard na bino A. Bota le bino na boulevard. Bota la place ba arrêt. Mais les arrêts et va ba place au ba sortie ba venir ça et kangi ba venir wana. Batou batou tondi comme vous n'avez aucune idée. Ça c'est d'abord une question culturelle aussi. Culturel aussi. Vous avez vraiment les bancs. Place Moussouba, ça là, bah, il faut le dire. Si, il y a des endroits où on a fait des bancs. Mais les gens quittent les bancs, ils sortent, ils prennent toute une bande. Bah, t'es les miouana. Bah, c'est la bus. Pourquoi? Parce qu'il faut voir où il est là, il n'y a pas assez de bus et tout ça. Bon, voilà. Or, si on arrive à régler ces questions, on n'aura plus ce problème. Il y a tellement de choses quand tu regardes dans ce pays. Oh, lui-même. Il y a un problème. Mais je voudrais terminer aussi. Je me pose toujours une question et je l'ai posée à mes amis. Chaque le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30, jusqu'au 5, les banques sont pleines. Elles sont remplies des gens qui viennent prendre leur argent. Mais ce qui me fait très mal, c'est de voir des parents, des personnes âgées, rester des journées tout entière dans certaines banques de la capitale pour qu'ils viennent toucher leur argent. Alors, j'étais en train de réfléchir, mais je n'avais pas des réponses exactes. Je me disais d'abord, pourquoi viennent-ils à la fin du mois? Est-ce qu'ils n'ont pas de compte en banque? J'ai dit oui, ils ont des comptes. Parce que là, j'ai répondu, j'ai dit, ils ont des comptes, ils n'avaient pas de compte, ils n'allaient pas venir. Donc, ils ont des comptes. Mais pourquoi ils viennent seulement ce jour-là? Pourquoi ils viennent seulement tous le même jour? Alors, je suis en train de vous chercher à comprendre le phénomène Wana. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'aider ces gens à ne pas être coton dans la place Wana? Parce que j'ai vu des personnes faire des crises de tension là-bas. J'ai vu des gens faire des crises de glycémie là-bas. J'ai vu des gens venir toute une journée et qui m'ont dit, journée Wana. La peau, le pauvre ou la peau, le pauvre ou la pauvre, avant de toute la journée, et Azubim Bongo n'est. Y a-t-il pas moyen? Je sais, en tout cas, franchement, ça c'est vraiment sincère. Hein? Je ne sais pas comment ça se passe. Comment ça se passe ailleurs quand on est payé à la fin du mois par voie bancaire? Est-ce qu'on remplit des banques comme ça? Est-ce qu'on peut pas? Je ne sais pas. Bref, je ne sais pas. Mais je me dis, comment on peut régler ce problème-là? Je suis sincère. Hein? Je connais pas comment on peut régler ça. Ce que je me dis, c'est quand même, et ça au-delà de tout, ça supplice. Bah, toi, tu as besoin quoi? Est-ce que Badonio Koma par ignorance? Est-ce que Badonio Koma par les faits du système? Est-ce que Badonio Koma parce que la chose n'a pas été bien pensée? Comment cela se passe? Est-ce que Badonio carte, bon, Badonio carte, c'était pour récupérer mon ana, dans la distributeur en Abango? Est-ce que ma banque est qui est bon, Badonio est belé? Est-ce que? Alors, ça, je vous laisse à vous le temps de réfléchir. Bato Badonio ma solution n'a problème au lieu. Bon, comme un besoin de message, c'est tout cas Boulonga de Komsous pour que tout aide papa ana. Il y a 60 ans, monsieur, il y a 57 ans, il y a diabétique, il y a infirme, il y a des difficultés, il y a des femmes enceintes, tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions pour nos problèmes? Ça, c'est de 1, de 2, aussi pour nos toises, il y a transport, il y a transco. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution pour nos jeunes, nos papa, nos maman, nos télé, nos milongo, nos mouimakasi? On ne peut pas trouver une solution pour ça? Si on peut trouver une solution, on va nous donner le moyen. Mon numéro est affiché sur le bas de l'écran. Partageons. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les ADC. Hello. L'opinion de la vidéo est là. Bon, il y a un tableau aux États-Unis. On est comme un marabout et un bon genèse. Mon États-Unis. Tata Yoki Kole Lanabino. Atinde Libino. Maman Samira. Ndenge aux Alakan États-Unis. Au Kole à l'Okola Moutouazan à Montbélé. L'Okola Moutouazan en Gaba. Merci, mon bébé. Wow! Bana États-Unis, Kolia bio et komi lolenge na bino. Bona kozwa, mbisi ya kokauka, tope na fouté mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Che mama Samira, mansor mazali. Eloko moko te yo koluko komonate. Nandenga va bete, pona kozwa biloko a détail. Yoka numéro, numéro 938, avenue Maurice, na New York. Adresse, ya entrepôt 12 40, avenue Randol, dans les banques.
Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeyo Congolais mama Samira makiambae debout Congolais unis par le sang unis dans le fort pour la Oh.